Salut à tous! Alors me revoici pour une vidéo cuisine pour agrémenter mon blog et ma chaîne YouTube donc. Cette fois-ci ce sera encore une vidéo de recettes de croquettes mais cette fois à la mozzarella, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc vous allez avoir besoin de chapelure, de farine, de mozzarella et j'ai oublié de mettre pour la présentation de 2 œufs et de 2 cuillères à soupe de lait. Pour commencer, on va couper la mozzarella en petits cubes. Ah oui, je ne vous ai pas dit, au préalable, j'ai bien essoré la mozzarella parce que si elle est trop liquide, ça risque de poser problème à la cuisson. Voici mes petits cubes de mozzarella. Ensuite, j'ai donc préparé 3 bols. Un bol avec de la chapelure, un bol avec de la farine et un bol dans lequel je vais faire le mélange de mes œufs. Donc, je mets mes 2 œufs. Un peu de lait. Et je les bats. On va ensuite commencer à paner nos petits cubes de mozzarella. Donc, on commence par les mettre dans la farine. Ensuite, on les met dans l'œuf. Puis, dans la chapelure. Donc moi, je ne le fais qu'une fois. Mais si vous voulez que ça soit beaucoup plus croustillant, vous pouvez repasser dans l'œuf une fois l'avoir fait dans la chapelure. Je vais vous montrer un peu comme ceci. Hop. Et on remet dans la chapelure. Et ça sera plus croustillant. Une fois pané, il ne reste plus qu'à les mettre au congélateur pendant 20 minutes. Comme vous le voyez, mon huile est bien chaude. Je vais pouvoir donc plonger mes petits dés de mozzarella à l'intérieur. Vous allez voir, quand l'huile est bien chaude, les beignets cuisent vraiment très vite. Que mes croquettes sont bien dorées, je les dépose sur le papier absorbant. Et je continue jusqu'à ce que j'ai cuit toutes mes croquettes. Et voilà, nos croquettes sont prêtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire ou un petit j'aime. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.